إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous rappelons nous mêmes chers frères et sœurs, Alhamdulillah, pour les gens qui nous finissent, Ihram, Umrah, 8e Zulhijja avec les jours de Arafat, en deux mots, la dernière fois, nous n'arrêtons quand une personne qui peut faire Hajj, lit dans Arafat et coucher de soleil. À partir de là, qui ban étape qui vient après, c'est ça même qui nous vient le Muzdalifa et dixième Zulhijja. Muzdalifa, nous vous trouvons l'ivine entre Arafat et dixième Zulhijja. Qui fait, parce que c'est la nuit là qui comptait là. C'est la nuit là qui comptait. Comment l'ivine? Livine comme suite. Nous résumons nos hadj devant nous. Makkah, Mina, Muzdalifa, Arafat. Ça nous chemin. À partir de là, nous dans Makkah. Nous quittons Makkah, nous allons Mina. Védienne à nous les huit. Les huit qui nous est là-bas, Zohar, Asar, Maghrib, Esha, Fajar. Quand nous veut dire Fajar, jour Arafat. Nous fait Fajar dans Mina. Ensuite, après Zawal, nous fait Zohar et Asar. Nous encore dans Arafat, Azan Maghrib de nous. Nous sommes là pour prendre direction pour le Muzdalifa. Ça qui est avec nous. Deuxième étape qui est avec nous, à partir de Muzdalifa, nous retournons Mina et Makkah. Ça qui est avec nous pour aujourd'hui, Inch'Allah. À partir, nous sautons à Arafat, nous prenons le Muzdalifa avant. Ensuite, depuis Muzdalifa, nous repassons Mina. Et nous brûlons le Makkah. Le tout, il commence par Muzdalifa. Ok, moi qui suis dans Hajj là, quand je suis dans Arafat, qui est là? Azan Maghrib peut donner. À partir de là, nous recommençons une lutte. Qui quelque chose nous commençons, une lutte partie de nos rites de Hajj. Avant de commencer avec lui, nous guettons Muzdalifa. Pareil, première question qui attire nous ne connaissons pas la boundary, il y a la limite ici. Muzdalifa est sorti, Muzdalifa est ici. Ça veut dire qu'il y a une place à l'ours. C'est une place. De là, Muzdalifa clean, pas dans rien là. Pas dans rien avec lui. Get bien, ça veut dire qu'il n'y a pas pour la plaine. Il va prendre quelque chose, dire non, il est au chemin même là. Parce qu'il la place, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit de nous valer. Qui vient là pour embellir lui, ou bien non, il reste pour appeler Muzdalifa tout le temps. Définitivement, le fait qu'il y trouve dans vallée qui est attaché en Makkah, donc nous pouvons dans la montagne. Pour bizarre et non, montagne. Et pareil comme ça même, ça, c'est une parmi ban étape qui peut arriver quand nous peut sauter à Arafat, nous peut aller Muzdalifa. Qui étape qui peut prendre place là?
C'est sa étape de la marche. Qu'est-ce que Dieu peut marcher? Pas nécessaire nous obliger à marcher. Il faut possible nous gagner, faciliter bis. Mais seulement, de là nous avons fini de comprendre, pour sauter à Arafat, pour le Mouzdalifa, il n'y a pas un trop long parcours. Parce qu'imagine nous map dans la tête. Moi, Makka, devant moi, je gagne Mina. Ensuite, je gagne Mouzdalifa. Ensuite, je gagne Arafat. Donc, quand je saute à Arafat, je vais retourner. Or, ça, je ne vais pas premier. À Mouzdalifa même. Je ne vais pas passer à Mouzdalifa. Donc, il n'est pas trop loin. C'est pour ça qu'il nous trouve dans Djiboun Ferli. En marchant. Parce que, malgré qu'il n'est pas trop ça. Quand c'était fait là, avec une étape qui ne passait avant, mais il restait que la personne est capable de faire l'immorcer. Et définitivement, ça la marche là, pour commencer après Maghrib. Parce que c'est à partir de Maghrib qui lui permet de prendre Djimoun, de bouser l'yal, de al Mouzdalifa. Donc, ça qui peut attendre nous. Et toujours, le temps nous peut guetter, nous peut trouver comment premier nous amener par l'eau d'Allah, Coltor. Et la bande rebo, ça qui nous a dit trop tôt, etc. Mais sinon, tant que nous avons l'impression, veut dire, elle la pleine ça, lui comme ça. Non, cher frère, pas nécessaire, pas nécessaire, lui comme ça. Oh donc, pour nous, nous connaissons un parcours. Pour 10 jours, nous avons pour sortir de Mouzdalifa. Nous avons un bis. L'impossible qui nous bis, nous dit bien possible. Parce que tout, possible changer là-bas. Il y a même nous Makka. Donc, là, nous connaissons qui, dans Makka, après Mouzdalifa, nous pouvons être à Tawaf, etc. Tout ça, c'est ça qui va avec nous aujourd'hui, Inch'Allah. Hein? Déjà, nous connaissons, nous pouvons raser la tête. Ensuite, nous pouvons retourner Mina. Qui fait? Parce que dans Mina, qui nous, Badjamarot, dans Mina, qui nous fait Kurbani. Ça qui est avec nous pour aujourd'hui. Qui est avec nous pour aujourd'hui? Nous sommes pour apprendre concernant mon déplacement. Saut à Arafat pour le Mouzdalifa. Je passe la nuit là-bas. Le matin, il arrive à Bakrid. Qui est en action? Qui est avec nous? Chers frères et sœurs, nous commençons. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Il n'est pas un péché qui quand tu peux aller te faire faveur au Rab. Ensuite, Allah qui dit, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ. Quand on finit avec Arafat, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْغَلِ الْحَرَامِ. Al-Mazin Allah, elle invoque Allah auprès de Mashghali al-Haram, c'est sa même Mouzdalifa. Le Coran, pour qui non invini, c'est Mashghali al-Haram, c'est une place, c'est une montagne. Là-bas, il écrit à tout Mashghali al-Haram, mais nous guettons devant, Inch'Allah, pareil comme dans les autres places, dans Arafat, dans Mina, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi mon débout là, mais la place entière c'est Mina. Moi mon débout là, mais la place entière c'est Arafat. Pareil comme ça même, dit, nous, moi mon débout là, mais seulement la place entière c'est Mouzdalifa. Donc de là nous connaît, qui après Arafat, qui vient Mouzdalifa. Nous dansons. Mais assoir ou bien une place. Qui vous a fini comprendre pour le faire là-bas? Un, pour vous faire droit. Deuxième, les pour vous une relation en sommeil. Pour vous une relation en sommeil. Donc, nous avons dit, qui nous trouve dit vous n'avez fait? De Omi. Donc, qui façon? De Omi. Tout ça là, dans Mouzdalifa là. Vous pouvez mettre au pied dans rien là. Ça l'attente que vous pouvez trouver là, ça a dit là qui n'a mené. Pas attendre pour gagner l'attente, pareil comme il a dormi, dominant. Parce que vous n'avez la nuit pour faire là-bas là. Et n'a pas capable pour énergiser la moitié de la nuit pour faire là-bas.
Donc, pas pour tout ça, quelque chose là, comment nous dire, ou dormi en plein air. Ou dormi en plein air. Chers frères et sœurs, arrivons à Muzdalifa. De mon la tête, mon fini synchronisme. Azan Maghrib peut donner mon Arafat, nous faisons Muzdalifa là. Soit mal morcé, soit mal dormis. De Muzdalifa, qui va le faire? En principe, pour le dormir. Comment il était là-bas? Plein air, n'est-ce pas? En plein air, en bas le coltor, amine une natte, amine un drap pour dormir en plein air. Et là, les bons nous tiennent l'attention, pareil comme dormir. L'État nous peut dormir, fait bien chaud là-bas. Là. Actuellement, fait bien chaud. Donc, on finit de comprendre qu'il va arriver à Econ. Mais si vous n'êtes pas habitué à Econ, vous êtes capable de couvrir ou quand vous dormez. Mais seulement, vous n'êtes pas capable de couvrir les autres, la tête. Mais ben petit chose comme ça, on vous a fini rappel un à l'autre. Quand on peut dormir, on couvert où? Mais seulement on pas capable couvrir ou bien trop frais ou de mettre polo ou dans les terrains. On pas capable faire ben quelque chose pareil. Au donc de là, nous à Muzdalifa. Mazin nous lire après Maghrib. Mon almorcé ou bien mon aldorbis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous prenons l'action avant, les rentrons dans Muzdalifa, les rentrons dans Muzdalifa, les donnent comment? Qui n'a pas ce qu'il n'y a pas fait là? Maghrib, il fait Maghrib. Tout de suite, les redonnent comment? Et qu'il fait namaz? Isha. Première chose qui attire nous l'attention, l'île fait tous les deux ensemble. Deuxième, nous pouvons le nombre à quatre. Troisième, est-ce qu'il nous cause l'air là, l'air. Veut dire en arrivant dans Muzdalifa. Mon rentre dans Muzdalifa, 7 heures. Mon rentre dans Muzdalifa, 8 heures. Mon rentre dans Muzdalifa, 9 heures. Mon rentre dans Muzdalifa, 10 heures. Mon Maghrib, et chaque autre, ça va le faire. Dans Muzdalifa. L'eau a une seule condition. Qui condition? Si l'air est échappé sur l'outil. L'air est échappé, c'est la moitié de la nuit, chers frères. Pas avec Azan Fadja. Dernier, l'air est échappé, c'est la moitié de la nuit. Donc, quand il arrive la moitié de la nuit, me trouve-moi encore dans Arafat, à ce moment-là qu'il m'a fait aller. Mais sinon, pas la cause bispétorde. Bon, nous finissons faire Maghrib et chaîne seule fois. Non, tu es obligé d'attendre pour toi le faire là. T'es obligé d'attendre pour ta faire là-bas. Qui fait? Parce qu'il hadith. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Jamara fi hajjatil wada al maghrib wal isha bil muzdalifa. Dans hajjatul wada, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu joins Maghrib et isha hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Ça montre nous qui en l'infait jam et que jam et isha l'infait des rakat quand dans Muzdalifa. Ça, c'est l'action du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans Muzdalifa. Ça, c'est la première action. Donc, nous continuons. C'est pour ça que les savants disent, basant le hadith là, passe la nuit Muzdalifa, il y a une obligation parmi les obligations de Hajj. Obligé ça. Une personne qui oblige Al-Mabit, il Muzdalifa, il y a une obligation dans Hajj. Donc, si un dimoun pan fait li, li oblige pays d'âme. Oui, avec qui circonstance, dans quelques minutes, en place, nous vous prenons li là. Mais seulement, un dimoun saute à Rafat. Il y a le direct Mina. Ou bien, il y a le direct Makka. Il y a là, le lendemain, li pan reste Muzdalifa. Du tout, li rate une obligation. Li na pour payer un dame. Donc, passe la nuit de Muzdalifa, c'est une obligation. Parmi ban obligation de. Pas une obligation de Hajj. Qui nous fait de Muzdalifa? Quand nous guettons Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne Muzdalifa, il vient faire salat Maghrib et Isha avec un azan et deux ikhoma. Veut dire un seul azan, deux ikhoma, il fait Maghrib. Salam, redon ikhoma, il fait Isha, deux rakat. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin allongé jusqu'à Fajr. Chers frères et sœurs, l'indomine jusqu'à Fajr.
Et c'est lui qui lui déboute dans la nuit de bon jour normal jusqu'à ce lipier enflé. Dans un grand ribadet comme un hajj. Vous pensez que tu vous dormi? Oui, il dormi. Sunna qui en dit moun fait de Muzdalifa, c'est quoi? Lire le Coran, c'est faire qiyamul layl, c'est faire tasbi, c'est quoi? C'est l'idée oumi, ça l'y est là. Suivant le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'idée oumi. Et il suffit pour nous comprendre, chers frères et sœurs, qu'hier, veut dire ça, la nuit qui nous était, c'est là, la journée, mon passe de Arafat. Ensuite, demain, les 10 Zulhijja, je vais commis action pour m'offrir. Ça, la nuit, là, les vins, ribada, ce sommeil, pour me récupérer, moi, de ce qui peut attendre, moi, plus devant. Ça, la nuit, là, dans Muzdalifa, sommeil, là, vins, ribada, qui fait, parce qu'il me peut suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour me récupérer, moi, ce qui peut venir, plus devant. C'est pour ça qu'il nous trouve la grande majeure partie personne, peut dormir. La grande partie du monde, je peux dormir dans Muzdalifa. Et nous attirons l'attention. Qu'est-ce que ça va dans l'attente là? Demain, je vais faire Hajj, moi, avec mon petit-fils du ciel. Demain, je vais faire Hajj, moi, avec mon madame, moi, avec mon sœur, moi, avec mon maman. Qui facilite mon prend? Je vais dans l'attente comme ça. Vendez là-bas, vous trouvez le chemin, etc. Quand arrive Muzdalifa, je vais faire dormir en dedans. Moi, je vais faire gardien de haut. Pas bizarre, vous direz pour que sac, pas pour que trop beaucoup de sac avec vous. Lili dormi en dedans, nous dormi de haut. Donc, ça bande l'attente là, ça l'évite là où disposition, et non pas où penser qu'il y a une place pour une attente, parce que comme nous étions là, tout peut dormir, minimum qu'il y en a une attente en bas. Minimum. Mais nous, où est l'ihram qui coulait pour venir là, et comme nous disons, chers frères, prenez bien, pour me souvenir, Hajj qui pourrait rester de la tête ça. L'état va le mazine dans Muzdalifa et te rappelle nous sommes dormis en bas. L'état nous lever de l'eau parce que nous. Allah connaît que ça se garde de l'une cassée là-haut. Pourquoi faire non ça? C'est bon souvenir qui restait, place qui on gagne pour dormir dans Muzdalifa. Nous continuons. À partir de là, nous venons de bonne exception. Bonne exception à qui nous peut référer? Bonne vieille d'imoun. Quand nous peut dire bonne vieille d'imoun, veut dire, y compris un dimoun malade, y compris un enfant. Quand nous peut dire ça, y compris un madame astir. Quand nous peut dire un madame, nous dire bien, la majorité parmi nous, quoi, aller, sont madame pour accompagner pour Hajj. Ah, moi, madame, on va le bonheur. Mais tout madame a fait 10 les tous en mos. Zizo, dit, fatigué. Tout madame a petit mot aussi à le travail. Comment dis-je aujourd'hui fatigué? Ça, c'est une facilité pour un dimoun qui vraiment dans le besoin. Quand vous trouvez vraiment peut faire face aux difficultés, à ce moment-là, qui nous prend facilité qui est dans l'ordine. Nous pas faire facilité là, vient la loi d'ine. Quand il y a une facilité d'ordine, chef professeur, général, nous essayons de faire ces efforts là avant. Quand tu n'es pas capable, là, je prends facilité là. Et non pas avant, même moi, je vais finir de mettre la tête. Bon, nous, on va finir, Muzdalifa. Si tu es capable de faire ça, parce qu'à chaque fois que je nous dis, chers frères, mange un outil 258. Pas au numéro de la SAM, ça, hein? 258. Comment est-ce que le numéro de la SAM depuis hier, là? Non, c'est au 258 qui nous a quitté là. Est-ce qui? Ou vous avez ramassé un autre 258 pour recevoir une demi ticket de Muzdalifa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin permet de une vieille personne de sa famille bouger depuis Muzdalifa de dernier tiers de la nuit. Asma binti Abi Bakr radiallahu anhu, tu peux surveiller la ligne, comment elle disparaît de bouger. Nous comprenons le hadith. Zodi les premiers, les deux, les trois, les cinq. Mettez la ligne devant vous. Au fait, qui vous trouvez? La ligne a sorti, ensuite il réalise ça. Il sorti, ensuite il réalise. Il sorti.
Asma binti Abi Bakr radiallahu anha, li di pe vezi sali. Kouma la lune allait, ve di la moitié la nuit infinie. Chef frère, sœur, il a dit hier, Rasulallah, la moitié de la nuit est infinie. Rasulallah, il s'est permis de quitter Muzdalifa. Au moins un tigit, je ne restais, oui non. Au moins un tigit, je ne restais. Mais seulement quand? Quand la moitié de la nuit est passée. Qui ça n'a? Ban vie du monde, ban qui malade, ban madame et ban enfant. Permet de pour aller. Quand je t'allais, je t'allais mina. Pour continuer, ban action là, lendemain. Donc la permissibilité divine pour sa ban dimoun là. Ensuite, à qui les autres prennent permissibilité là? Après, au milieu de la nuit. Et toujours, comme nous dit chef brésil, au milieu de la nuit, zameti minuit. Minuit, c'est au milieu réveil. Au milieu de la nuit, c'est où prend Azan Maghrib, ou guette avec Azan Echa, combien de temps il y a, ou divise li en deux. Et pour gagner dans une place pareille, ou net guette l'eau. Ou net get l'eau la ligne. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef frère et sœur, namaz fadjal grand matin, ce lendemain. Ve dire ça qui ne bouge, ne finit bouger li. Ban qui ne restait côté, je dois côté Muzdalifa. Nous prenons ban qui ne bouge, je n'en domine. Hein? Je fais ce namaz à base. Mais qui différence est-ce qu'il reste dominant, il reste dans Muzdalifa. Ou ne get Muzdalifa comment était, il est en plein air. Dominant, li pou dans l'attente, li pou dans ça, ou dire li pou senti li un petit guide plus léger, sans la foule, veut dire un petit peu plus libre, comparé à si tu restes dans Muzdalifa. Mais seulement le rite, c'est qu'il oublie de rester dans Muzdalifa au maximum. Ok, nous ne restons qu'à Fajr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à nous? C'est lui qui témoigne, s'assoit là, veut dire Fajr dans Muzdalifa. Et il débute avec nous jusqu'à qu'il nous aille. Après que le soleil est fini lever, avant que le soleil lever, avant que ça, il finisse debout à Arafat, pendant la nuit ou bien la journée, certainement, il finisse complète son rite du Hajj. Comment un dimouni complète son rite du Hajj? C'est quand il débute dans Arafat, il vient dans Muzdalifa, il débute, il fait Fajr dans Muzdalifa. Là, ça bout Arafat, là, net, là, ça qui amène pour compléter son rite du Hajj, jusqu'à qu'il tient son ihram l'oli. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut expliquer nous. Le rite de Hajj, il commence à partir d'Arafat. Il vient avec Muzdalifa. Il précise Namaz Fajr dans Muzdalifa. Pourtant, Maghrib et Isha, il fait dans Muzdalifa là. Il n'est pas précise. Il précise Fajr là. Ensuite, jusqu'à ce qu'il dit Mouna tient sur l'Ihram, sa bonne action qu'il fait là, ce Hajj infini vient pour un Hajj qui vient accepter les restes manquements qui est là, les capables rakit les pas, pour ban, dame, etc. Donc ça montre nous l'importance de faire Fajr dans Muzdalifa. Demain, quand on peut débouter, on peut faire Fajr dans Muzdalifa, imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, tu as fini faire Rafat, tu as fini dormir un petit guide dans Muzdalifa, tu peux faire Fajr, et Inch'Allah, demain, tu peux te ram. Connaître pour moi, qui est au rite Hajj complété à l'os. Connaît comment à chaque fois nous disons, quand un dimon fait erreur, nous disons, tu as déjà payé une dame, tu as déjà payé une dame. Ok, mais qui fait quand il fait ça qui est bon là, tu n'as pas dit, mais tu Hajj peut compléter à l'os. Tu Hajj peut l'accepter, Inch'Allah. Qui fait nous pas encourager de sa façon là? Nous gagnons l'impression, juste qu'on fait erreur pour nous montrer dimon à sa faute. Mais quand il fait bon aussi, montre-lui que sa bonté là était. Nous continuons, chers frères et sœurs. Après Fajr, qui jour qui nous était là? Le jour, qui jour nous était là? Les 10 jours, les djabiens, bon, alhamdoulilah. Ça même qui? Poubana Bakrid. Mais pour nous, nous devons Hajj nous. Il y a un autre nom pour nous. Bana Zot Bakrid. Donc nous restons avec Fajr là. Après Salat Fajr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam monte le Chamel jusqu'à ce que les fins arrivent, quand Mashkal il haram toujours, les fins font face Qibla et les fins font doua, les fins font takbir, les fins font tahlil, les fins prononcent l'unicité d'Allah, les fins continuent à attendre jusqu'à ce que les fins font bien clair, de là les fins quittent Muzdalifa avant soleil levé. Regarde l'action à se dire. Fini faire Fajr. Non, assisez. Puis non, pressé là.
Non, non, mon bien Makka. Attends. Si on a Makka, là, qui est à nous là-bas? Ben, on fait d'avance ce Bakrid là-bas. Là. Parce qu'il faut pas Bakrid. Et un mazid pareil, mazid nous combien de gens vini? Si vous pouvez penser à le Makka direct. Et ben, quand on finit de faire ce Bakrid, mazid où? Nous donnons un mazid, 1000-2000 de gens, prenons 40 minutes pour nous sortir, que ça commence à mouler 4 qui nous en a fait là. Mais là-bas, combien de temps vous pensez pour prendre là? Donc, tout ça là, nous vous a fini. Plante bien de nous la tête, nous retournons. Je finis de faire Fajr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam retourne au Mashhar al-Haram, veut dire nous continuons. Nous faisons doua, nous faisons doua, nous faisons doua, nous recevons doua, nous faisons tahlil, nous faisons takbir. Pas jusqu'à soleil levé. Vous connaissez avant soleil levé, il y a un moment où il commence à faire clair bien. Dans ce moment-là, il permet qui nous bouger, basant l'eau, ça qui pouvait être plus facile pour nous. Vin plus facile, c'est quoi? Soit nous allons à Makka, soit nous allons à Djamarot. Et Valère Djijou, chef frère, Alba Djamarot, il vient parmi les conditions qui vont nous mettre nous là-bas, sans compter qu'il vient plus facile. Donc nous continuons, ça c'est après Fajar. Continuez faire dehors. Continuez faire dehors, jusqu'à ce qu'il commence à faire. Jusqu'à ce qu'il commence à faire. Faire clair. Pas nécessairement attendre le soleil levé. Ensuite, la personne lui bouger. Soit il prend direction, mais avant nous prendre direction, pour nous prendre comme suite. Nous, en droit debout de n'importe qui place. Quand j'ai quelques minutes de cela, alhamdulillah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Qad waqaftu hauna, wal muzdalifatu kullu ha mawqif. » Moi, mon fin arrête ici, mais muzdalifa entier, c'est une place pour s'arrêter. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fin arrête contre Mashhar al-Haram. Mais seulement, comme Aliyem dit à nous, la place entière, c'est Muzdalifa, la place entière qui lui permet pour nous arrêter. Ensuite, dernière chose qui nous apprend, c'est nous guetli. L'objet de nous la tête. Pas guet dans l'écran. Guet dans autres la tête, autres qui veulent faire Hajj. Azan Maghrib, donnez-moi de Arafat. Je prends mon transport. Moi, le Muzdalifa. Arrivant Muzdalifa. Azan. Enikoma. 3 rakat maghrib. Déjà mis comment? 2 rakat isha. Ensuite nous dormons. Pour ban vieux parmi nous, pour ban qui malade, pour ban madame, pour ban enfants, au milieu de la nuit, je bouge. Maman, je dormi dans moi. Grand matin, je fais Fajar. Je fais Fajar. Je continue, imagine Allah. Après Fajar, jusqu'à qui commence à faire un peu clair, à ce moment-là, qui m'a bougé, un petit peu avant soleil, un petit peu avant soleil, levé, ça c'est quand nous peut cause la nuit de Muzdalifa. Un petit chose, nous mangeons bois, ou pas de cause manger bois. Manger bois, il peut venir de deux façons. Un qui vous pouvez déjà gagner là-bas, déjà un ban, précaution qu'on finit prend, ou même. Déjà une petite chose, toilette là, pour faire oiseau, de l'eau, etc. Et dans toute facilité de Muzdalifa, comment nous guetter le ban premier photo, sa ban place qui nous trouvait là, et dans toute facilité, payer pour sortir de l'eau avec vous, excepté que vous gagnez, ou vous gagnez là-bas. Chef et soeur, soleil peut lever avec moi. Madame Muzdalifa. Madame Muzdalifa, soleil peut lever avec moi. Qui peut attendre moi là? Qui peut attendre moi? Faudrait me finir connaître qui peut attendre moi. Pour qu'il ne pourra pas faire, pour qu'il ne pourra pas faire l'action. À partir de là, dixième, Zulhijja, ça qui nous dit Bakrid, ça même qui appelle Yom Nahr, pour un monde qui fait Hajj. Inna a'toina kal kawthar, fa solli li rabbika wan. Wanhar, Anahar. Anahar, c'est quoi? C'est sacrifice qui nous fait, mais seulement avec un chameau. Pour nous dire faire Zaba, quand nous passons le couteau, comment nous passons le bœuf, le poule, le mouton, le cabri. Un chameau, pas coupe comme ça. Un chameau, c'est au piqué. Ça appelle ça Anahar. Ce jour-là, il vient gagner ce nom depuis sa action-là. Anahar, Yom Nahar. Qui fait? Parce que ce jour-là, pour y a quatre actions devant nous. Qui joue nous peut causer là? Nous peut causer Bakrid.
qui quatre actions qui est devant nous 10e Zul Hijja. Moi, je suis allé à Badjamarot. Ça même qui est habitué à Badjaitan. Moi, je suis allé à Hadi. Ça même qui nous dit Kurbani. Moi, je suis allé à Al-Halq. Je veux dire, rase la tête ou bien t'écoute, point madame. Et moi, je suis allé à Tawaf al-Ifada. Moi, je suis allé à quatre actions. Imaginez que nous causons Tawaf dans Hajj. Apôt, tawaf ou l'ouada, nous pouvons causer sur sa femme à roi ensemble. Sa tawaf là que nous pouvons causer, nous pouvons causer sous-entendu sur sa femme, et que ma roi. Sa quatre actions là, puis attendre nous. Peu de personnes pour nous rappeler nous cela. Azodi, Fajar, Moda Mouzdalifa. Moi, je fais deux, moi, je connais devant moi, il y a quatre petites choses pour venir là. Qui sa quatre petites choses qui peuvent venir devant moi là? Moi, je n'ai pas le badjamarot. Moïna pour aller faire Kurbani. Moïna pour raser la tête. Et pour une fille, pour une madame, taille sur cheveux. Et Moïna pour faire ta waf à l'ifadra. Ça quatre petites choses à Moïna pour faire. Quand les 10. Si arrivé dans le décalage, ou continue jusqu'à tout. Qui l'est-ce qui est encore au moins là? Allez, rame encore au moins. Nous prenons les bien l'eau là. Nous prenons les bien l'eau là. Si je finis faire premier là, je saute dans les ihram. Je vais faire un ihram, je vais mettre mon normal. Mais à part premier là, je fais entre ces trois là, je vais faire dès là-dedans, je saute dans les ihram. Premier là, comment dire, c'est plus folie. Ou faire lui tout seul, ou qu'à partir de l'ihram, je mettre mon normal. Mais entre ces trois là, je vais faire dès là-dedans. Veut dire si d'arriver mon badjamarot mon faire kurbani ou saute dans le tehram. Mon badjamarot mon rase la tête ou saute dans le tehram. Mon badjamarot mon fait tawaf ou saute dans le tehram. Mon fait tawaf mon rase la tête ou saute dans le tehram. Mon fait tawaf mon fait kurbani ou saute dans le tehram. Mon rase la tête mon fait kurbani ou saute dans le tehram. Un deux n'importe qui dans sa banne ou saute dans l'état ou saute dans l'état ihram. Ça ou bien fini comme ça même. Donc regrette-lui dans mon la tête. On a quatre petites choses pour faire. Badjamarot. Kurbani, rase la tête, tawaf. Redressez la tête à ce dire. Mazin Umra. Umra, comme tu fais tawaf avec sa femme à roi. Quand fini, qu'est-ce que tu fais? Rase la tête, vous finissez gagner là. Le fait qu'il me donne Hajj et ses jours Bakri, Mazin Kurbani. Trois. Ensuite, une action qui commençait à porter ce jour-là, il peut continuer jusqu'à nos derniers jours de Hajj, c'est Badjamarot. Quatre. Quatre actions qui viennent avec moi, aujourd'hui les 10, je vais vous faire lire. Chers frères et sœurs, nous prenons les détaillés à ce dire. Parce que moi, je dis où, avec le changement, les pour plus recommander ou le badjamarot avant. Mais ça n'empêche, si nous arrivons, on a fait tawaf avant, on rase la tête, ou saute dans les terres, ou fait ou ban les autres rites. Mais nous là pour apprendre, ban action là, comment pour prendre place, comment vous besoin faire lire, si jamais ou tout seul. Ensuite, là-bas, ou casser ranger en tout même. Nous commençons, bismillah. Je connais mon sa quatre actions là. Tawaf al-Ifada. Je suis Ramel Jamarat. Je suis Hadi Kurbani. Ensuite, je suis Razatid. Qui fait nous ramener? Reste rappelé, Yasté. Reste rappelé. Sa quatre là pour Bizana. Quand vous avez des autres, pas besoin de personne pour rappeler nous. Nous-mêmes, il suffit qu'ils nous rappellent nous entre nous. À partir de là, de commencer. Al-Jamarot. Al-Jamarot, c'est quoi? Ça même que nous habitons à dire, Bat Shaitan. Au fait, c'est un roche. Regarde comment il était. Il y en a trois là. Il y en a trois. Vous trouvez un roche et un rond là. Nous roche pour bien rentrer dans ce rond là, etc. Mais seulement avant nous rentrer dans la loi, à l'arkam, chers frères et sœurs, guette bien qui action nous peut faire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous depuis le hadith Ibn Abbas, quand Ibrahim khalilullah fin vin fait ban rite de Hajj. Hajj. Shaitan fin présente à l'I Kod Jamarot ou le Raqaba. Al Raqaba, c'est un pli grand là ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre toujours nous. Parce qu'il pour aujourd'hui, il y a une celle qui concerne nous. Ziz grand là. Grand là, pas pour l'az.
Grand-là, papa, grossir. Grand-là, c'est pas place qui est située entre ces trois-là. Nous vous guettez laquelle qui grand-là. Quand nous pédions grand diamarante, toujours pensez du plus grand. Moyen, l'intérêt, comment tu petit là, plus petit. Non. Quand vous dire grand, tous les trois même grandir. L'opposition qu'ils ont été, qui vous connaissez laquelle, grand. Grand-là, appelé Rakoba. Ibrahim alayhi salam, c'est quand il fait Hajj, qui, Shaitan, fin présente côté lui, côté diamarante ou le Rakoba. Là. C'est là que Ibrahim alayhi salam fin battre avec sept tireuses jusqu'à qu'il fin disparaître dans la terre. Couler. Ensuite, il vient représenter lui comme deuxième diamant. Ibrahim alayhi salam peut continuer lui. Il revient là-bas. Il rebat lui cette côte rose. Il continue, il réparer devant. C'est dans ce hadj qu'Ibrahim alayhi salam vient faire sa action là. Et de là, nous suivons Milata Ibrahim, la façon de faire de Ibrahim alayhi salam et sa action là, il rentre dans nous hadj. Donc de là, chers frères, nous connaissons parmi les actions, sorry. C'est pour une action symbolique, pas Satan qui vous peut taper là. Parce qu'il y en a qui dirait quand vous venez là, t'as 40 ans, t'as bien fait, moi fais l'eau la terre. Pas fait, ah. Au fait, l'indice fait ou soit ça, nous qui faisons l'action. Ensuite, cette action là, ou pas faire donner cette correction là. Ou pas faire l'effet, action de où? De où hajj. Pas ce qui vous dirait, ou pas corriger sur l'insolence. Donc nous continuons. Il y a mon 4 actions. Moi, je pour battre Jamarot. Moi, je pour faire Kurbani. Moi, je pour raser la tête. Moi, je pour faire Tawaf, Safar Marwa. Nous cassons tous les quatre, nous. Nous prenons premier. Premier, nous prenons Jamarot. Qui fait? Les plis prêts avec nous, quand nous étions. Nous donnons Mouzdalifa. Qui action, qui place, qui plis prêt? C'est mine, hein? C'est mine, hein? Donc, si nous avons facilité, nous bougeons dans le mine. Mais, les trouve à la fin mine. Nous bougeons avec lui, là. Ça, j'ai ma route. Vous avez dit que vous étiez là? Et pas oublier, ce n'est pas la foule du monde qui peut empêcher nous faire ibadat Allah. Ce n'est pas la foule du monde. Donc, pas qu'on se. Et là, j'ai dit que vous étiez la foule. Il n'y a pas pour rentrer ça. Pas faire, ah, oh. Ou ici, quand on a fait tout, on peut dire où fait la foule là. Où est la foule au fait? Où peut faire la foule? Donc, pas les sabans de il est là, venu. Ou complète ou ibadat. Ça c'est Jamarot. Ibn Rabat, sallallahu alayhi wa sallam, je t'envoie tiros le shaitan et je suis religion de je papa. Veut dire Ibrahim alayhi salam. La cause qui nous est amenée comme un action de symbolique et l'île aux là. Ok, nous continuons. À partir de là, chers frères et sœurs, qui grossit Rousse? Pas de prend pas vie là. Ton chou, il y a, dirait, avant d'y aller, il passe la prairie, on dirait, pour lui prendre bon rose, rivière de Galilée là-bas. Non. Le sou, sallallahu alayhi wa sallam, le matin de Rakoba, veut dire, 10e Zulhidja, il dit, son monture, et il finit dire, Ibn Rabat, sallallahu alayhi wa sallam, ramasse caillou pour moi. Moi, je ramasse 7 cailloux pour lui de grossir la grain fève. C'est ça, c'est ce qu'on appelle fève. Il dit, comme on finit de mettre l'idée sur la main, il finit dire, lance caillou de sa grossière là, lui montrer ça. C'est simplement, attention qu'ils ont exagéré d'ordine, veut dire que je suis plus gros rose, c'est simplement l'exagération d'ordine qui finit détruire les gens qui sont avant eux. Vous connaissez, c'est une action symbolique ça. L'état d'indier, ce cousin Ibn Rabat, sallallahu alayhi wa sallam, pour moi, il n'y a pas de qui est rose. L'Ibn Rabat, sallallahu alayhi wa sallam, il amène ça. L'Ibn grossière, nous, il est d'oison. Nous tirons les doigts sur zone là. Ça, ça. Grossier, ça grossier là, il était. Il amène 7, il met ça sur la main. Le sou, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai compris. Ça. Et non pas exagéré d'ordine. Quand certainement, les gens qui viennent avant eux, viennent détruire eux, c'est exagération de eux, d'ordine. Donc, ça, c'est cette roche qui nous ramasse. Nous continuons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bat avec caillou wa alaykum bimithli haso al-khath. Al-khath, quoi nous vient dire, ça qui nous fait trouver là, c'est ça même un fèvre, et il est bien petit. Et il est bien petit. Parmi les quelque chose qui nous besoin connaît, c'est nous besoin pas pousser pour faire ça. Malgré qu'il trouve la foule,
Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recommande nous, prends tout le temps. Au Banjimoun, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, au Banjimoun, il ne faudrait pas intuit l'autre. Quand je te bats de diamarante, envoie tes roses grossières à la grimpeuve. Il ne commence pas la façon qu'il va voyer là. Il cause au Banjimoun. À cette époque-là, ce ban compagnon. Mais seulement, mais ça a besoin de venir jusqu'à nous. Tuer ici, ce n'est pas nécessairement, on dirait, il faudrait tuer. Non. C'est sa façon qui nous fait brutal là, qui donne mal les autres, qui donne mal les autres difficultés. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam dit, depuis Qudama ibn Abdullah, je suis trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis trouvé depuis le Souchamel. Il n'est pas fini de battre personne. Non plus, il est fini de pousser quelqu'un et non plus, il est fini de dire avancez, avancez. Il y a des détails qui viennent là. L'île au Chamel, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avancez là-bas. Pourtant, lis les messagers d'Allah. Jamais l'île descend, ce n'est pas une pousse qui ken. L'île prend le temps. Ça dit, moun devant moi qui peut le battre là. Comment il finit de battre, qui dit pour faire? Ou l'île prend des trois selfies? Après, il dit, bouger, oui, non. Combien de temps il reste là? L'île est sorti, il m'a costé. L'île continue de devant. L'île est sorti, il m'a costé. Ou là, il prend moi 20 minutes, 10 pour coster. Mais ça 20 minutes là, il n'est pas contre de mohad ça. Ça 20 minutes là, il n'est pas ibadat ça. Ibadat, ce n'est pas comme on termine l'action. Ibadat là, il commence depuis mon fin de la bec, Allahumma hajjan. Mon ibadat hajj, il finit de commencer. Donc, c'est un moment qui m'a fait débout, mon père attendu, tout ça là nous être récompensé. Qui fait nous envie fini premier, fini dernier, pas ça qui pourra amener récompense, nous hajj. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, chers frères et sœurs, il n'est pas fini poussé. Nous continuons la façon qui nous bat, Jamarot. Pour un moment, mettre trois Jamarot devant nous. Visez ces trois-là. Deuxième, nous déboutons en face avec lui. Nous mettons Arafat dans nos droites là-bas, Makkah dans nos gauches. Honte ça là, honte. Dans la tête, j'ai besoin de finir de comprendre là. Et dans Mina là, et dans Muzdalifa là, ensuite dans Arafat. Ça, comme au Getli, le plus large. Comme au Getli, en tant que direction, je connais comme au début, je mets Makkah dans mon gauche, je mets Arafat dans mon droite, je trouve trois diamants devant moi. Je viens avec ça qui plie près avec Makkah. Qui m'a fini de comprendre là? Je finis de comprendre que ces trois là, je t'aime après l'autre. Je te loin de la ligne ça. Il y a un là-bas, l'autre là, il route là-bas, l'autre là, il route là-bas. Il n'est pas comme ça, il n'est pas une fanée. Hein. Tous les trois, un après l'autre. Droite. Quand vous montez le pont là, vous passez au premier, vous continuez à aller, vous passez au second, vous continuez à aller, vous passez au troisième. Comment vous connaissez laquelle qui est grand là? C'est où route ça qui plie près en Makkah. Comment moi vous connaissez les plis près en Makkah, le fait que Jamaro trouve dans Mina, moi vous trouvez une grosse plaque inécrite, Mina ainsi, Makkah. Il est difficile pour moi de gagner le code premier là, parce que premier là, moi peux plier rentrer dans Mina là. Oh donc, prends-moi depuis Makkah, moi vini. Moi pour gagner une plaque là qui dit à moi, Mina starts here. Mais tant que je rentre là, je passe en deuxième, je passe en troisième, je ne peux plus rentrer dans Mina. Je vais sortir moi. Pour me sortir dans Mina, c'est moi sortir là-bas, je rentre dans Muzdalifa. Des côtés montagne, c'est dans une vallée. Si je sortis qui m'ont là, soit je sors dans Muzdalifa, soit je sortis dans Makka. Oh donc, si je sortis dans Makka, ça diamant qui est là. C'est lui-même grand là. Par contre, dans ce grand D, sans compter qu'il pourrait avoir une indication qui montre nous. Mais nous avons fini qu'on n'est pas nous-mêmes. Nous avons fini qu'on n'est pas nous-mêmes. La façon qu'il m'a battu à ce dire.
Je get li. Get bien qui position, je peux débout seulement là. Parce que dans quatre possibilités, je débout. Moi, comment je peux débout? Je mets ma carte dans mon gauche, mina dans mon droite. Parce que je peux débout comme ça. Je mets ma carte dans mon droite, je mets mina dans mon gauche. Pas ça qui je peux faire là. Qui je peux faire? Je mets mina dans mon droite, ou bien Arafat, ou bien Muzdalifa, je mets ma carte dans mon gauche. Dans mon gauche. Oh donc, comment je bat li? Je viens avec lui à ce dire. Maka là-bas. Maka là-bas. Maka pas devant moi, ni maka derrière moi, ni maka dans mon droite. Maka dans mon gauche. Je coste avec lui. Je coste. Bismillah, Allahu Akbar. Je vais mon premier rose. Allahu Akbar. Je vais mon deuxième rose. Allahu Akbar. Mon va mon troisième rose. Allahu Akbar. Mon va mon quatrième rose. Allahu Akbar. Mon va mon cinquième rose. Allahu Akbar. Mon envoie mon sixième rose. Allahu Akbar. Mon va mon septième rose. Mon bat mon premier jamarat. Tout. Rite qui nous cause concernant quatre actions qui m'ont pour faire. Les 10 Zulhidja, en là dans ce jamarat, chers frères et sœurs, c'est sa façon qui nous fait. Comment nous connaît sa façon là, c'est-à-dire? Hadith qui tout dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous fait face jamarat ou l'Raqaba en mettant Makka de nos côtés gauche et Mina de nos côtés droite. C'est pour ça qu'il nous déboute comme ça. Malgré qu'il y a les autres postures, nous devons débouter. Avant chaque tiros, nous disons Allahu Akbar. C'est pour ça qu'il nous apprend comme ça une seule fois. Nous continuons, chers frères et sœurs. Rapporté par Oumou Souleim, les diables viennent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour battre le jamarat depuis dans le fond de la vallée. Les tiros sont montés et les types font takbir avec chaque tiros. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment il peut avouer? Bismillah, c'est le début de l'action. Pendant l'action, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a ça? Il y a ça? Façon là. Et quand ça, quand je débute, nous redire, je mets ma carte dans ma gauche et je mets mina dans ma droite. Comment nous battre? Comment nous faire guetter? Nous guetter sur preuve jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à le jamarat qui cote l'orbe, les fin battre avec cette tiroche en faisant takbir avec chaque tiroche. Ça pour montrer nous sa première façon de battre qui nous apprend là, c'est sa façon la même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Qui l'est à ce dire? Qui veut redire pour qui l'est? Moi, tu dis à Muzdalifa. Au fait que fini faire fajar, moi tu peux faire dehors, soleil prêt pour lever, mon morceau mon aller, mon almina direct. Mais où penser il arrive là pour battre jamarot là, nous get un coup. Avant nous prendre lit, get bien là. Ça c'est une indication. Montrez-nous l'entrée pour le battre jamarot. Livin comme un pont. Ça j'ai dit inshallah quand nous vous prenons tous les trois jamarot, là là qui nous vous prenons ban repère, chemin etc. Pour aujourd'hui nous allons prendre 10 grands là. Quand nous allons prendre ban place ban repère là, nous ne prenons ça nous attacher avec ça que nous allons prendre pour aujourd'hui. Rapporté par Ibn Abbas sallallahu anhu dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin envoie sa famille bonne Amina et les fin ordonne banna pour battre jamarot pour battre jamarot Raqaba jusqu'à qu'il soleil levé. En d'autres mots, comme le soleil levé, un dimoun gagne droit bat, bat jamarot. Nous avons dit dans l'autre hadith, pour nous connaître avec preuve, les qui nous bat jamarot, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait la nuit de Muzdalifa. Ensuite, il finit en voyant nous, un petit garçon de Abdel Moutal, le bonheur, le ban bourrique, il finit tape sur la main, l'eau nous la jambe, et il finit dire nous, au ban petit garçon, pas bat al jamarot al raqaba, jusqu'à qu'il soleil levé. Veut dire attendre le soleil là levé. Soleil levé qui joue qui nous peut causer là. Dixième Zulhijja. Comme le soleil levé, ou gagne droit battre jamarot à ce dire. Ou gagne droit battre jamarot. Donc nous connaissons la façon qui battait. Nous connaissons la place qui nous besoin débout. Nous connaissons qui l'air, qui moment nous fait akbir. Et nous connaissons apporter qui l'air, qui endi moun li faire. Endi moun li commence capable, li permettre pour lui commence battre jamarot. Jusqu'à
qui les astir. Qui fait nous dire ça? Quand nous dire fait comment dire un kiken ni pas le miner avant pour les badjamalor dina maka. Astir arrivant maka, l'état il a fait tawaf, il arrive un petit problème, un kiken il tombe malade, l'intordé pour les retourner. Veut dire pour les retourner mina. Parce qu'il vient revenir badjamalor là dit. Beziska qui les qui? Qu'il y en a. Nous en bras, nous en droit badjamalor tel rakoba même ziska à soi. Même ziska à soi nous gagne droit. Nous avons le droit de battre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné. Il dit, je vais battre le jamarat ou le raqaba après qu'il arrive tantôt, les soirs. Ma amsaï tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de problème. Pas de problème. Il dit, ma amsaï tout. Jusqu'à ce qu'il arrive à soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de problème. Donc, nous reprenons. Basant le hadith avant, nous commençons à lever comme le soleil levé. Il a fini le lendemain. Sauf à dire. Tant que la nuit pas encore finie, on est capable de battre Jamarot. Ça pour qui joue seulement nous causer là? 10e jour, Zulhidja. Nous reprenons-les. Nous battons Jamarot. La façon, place qui nous déboute, l'air qui est commencé, l'air qui est terminé. Fait comment dire à Zodi là, Zodi Zulhidja. Veut dire depuis grand matin, soleil levé grand matin, commence à battre Rakoba. Il arrive, ça l'est là, Aïcha. Jusqu'à Fajal, ça l'est là, dans le 6e temps là. Jusqu'à ça, Fajal là, nous gagnons le droit qu'on t'y batte, Jamarot al-Rakoba, pour les 10 Zul, pour les 10 Zul, Zulhidja. Donc, ça, comment nous finissons, chers frères et sœurs, concernant Baté, la dernière petite question qui est capable de venir, est-ce que nous sommes capables de servir Roche qui finit sa vie? Ça est capable de venir dans la tête. Ou capable de finir Ramas ou Roche, on prend précaution. Arrivant là-bas, on est tombé. Les pieds dit, on oublie quand on met les, on quitte les là-bas, on vient. Mais les tombes morts, on peut trouver Roche en bas. Est-ce qu'il y a un droit pour ça, Van Roche là? Rapportez pour Abdullah ibn Hamr ibn Othman, il dit, Mofintan Abu Hiya et Al-Badr, il peut donner un bandimoun fatwa qui n'a pas un problème si une personne bat Jamarot avec Tiroche qui est une autre personne qui bat. Mofintan dit ça, Abdullah ibn Omar, et il dit, oui, il fait une cause vraie. Ibn Omar radiallahu anhu approuve l'action de parole de un de Bantabirin qui peut dire capable de servir Roche qui nous a servi. Ibn Omar radiallahu anhu, un sahaba, lui dit oui, ça qu'il peut dire la vraie. Et en tant qu'il y a la loi d'Ine, Ibn Omar radiallahu anhu, pas vous dire ça pas, l'Ibiza il apprend ça depuis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre nous, chers frères et sœurs, demain on a fait Hajj, on trouve Rose en bas, ou peine à Rose, ou bien Rose est tombée, ou gagne droit prendre sa Rose qui en bas là, et non pas, ou bien content tous dix avec Rose qui ou est là, etc., ou bien qui parfine, c'est vie. Dernière chose qui nous apprend le Jamarot, c'est Djibounen malade, l'in trop fatigué. L'État est bien à la foule là, il va trouver une position pour capable faire face. Est-ce qu'il est capable d'un autre djimoun pour battre pour lui? Ibn Omar radiallahu anhu peut faire Hajj avec seulement 10 enfants. Imaginez-nous qu'il est arrivé là. Hein? Parce qu'Ibn Omar radiallahu anhu commence avec lui, il fait imam à l'âge de 8 ans. Ça qui nous peut dire ses enfants 8 ans là, il a fait Hajj avec ses 10 enfants. C'est lui qui est capable de battre Jamarot pour lui battre. Et c'est lui qui n'est pas capable de battre Ibn Omar qui peut battre pour lui. Donc ça montre nous, si il y a un vieil djimoun parmi nous, un quelqu'un malade, nous prenons son rose, ou bien nous ramassons rose pour lui, nous battons Jamarot. Nous finissons de dépasser là, malgré que j'ai dit, Inch'Allah, il prévient avec nous. Comment nous faisons? Moi, je vais battre pour moi. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour finir, avec moi, je prends pour lui. Moïse fait l'intention, je vais battre pour lui. Bismillah, Allahu Akbar, je vais battre sur cette somme. Pareil comment je fais pour moi, je fais pareil pour lui. Mais seulement juste quoi, je fais pour moi avant. Ensuite, je fais ça qui pour lui. Et si n'arrivait, je fais pour lui ici avant, il n'y a aucun problème là-dedans. Donc, l'action, il y a le pareil, l'intention est pour moi, et que l'intention est pour. Un pour lui. Donc, il permet qu'il y ait une personne qui n'est pas capable, il fait une autre personne. Bat pour lui. Chers frères et sœurs, DGM. Nous finissons avec Jamarot, oui. Gedzis Kurbanizut.
aller régler des autres la tête qui est dans ce terre. Donne-nous la tête qui est là. Donne-nous la tête et là, Azoudi là, les 10 Zulhidja, je finis de faire Fadjal de Mouzdalifa. Combien d'actions je vais faire? 4. N, Jamarot. 2e, Kurbani. 3e, Razatet. 4e, Tawaf Safa Marwa. Casse tous les 4. Je vais apprendre ce qu'il y a, comment battre Jamarot. Laquelle qui m'a besoin de battre? Plus grand là. Comment je connais lui-même plus grand? Je mets ma carte dans mon gauche, mina dans mon droite. Qui est capable de commencer à battre à partir du soleil levé? Quand je suis capable d'arrêter de battre, c'est le lendemain, Fajar. Combien rose, c'est qui grossir? Grossir, nous avons les doigts sur ce zone. Si quelqu'un est malade, je suis battre pour lui, oui, je suis battre pour lui. 7 coups, bismillah, Allahu Akbar. Donc, je finis avec mon jamarot. Nous vous venons avec Kurbani. Hop! Les temps, je peux checker. En Kurbani. Oh, vous pouvez faire mon Kurbani. Oui, vous faites Kurbani. Ça va être la même facile. Vous allez comprendre, mon régime. Sa frère qui prend responsabilité, ça qui nous dit organisateur, il habite à l'épaule dans l'allée. Donc, il y a un contact là-bas qui est en Djali. Bon, tu prends un mouton avec moi, je fais ton Kurbani. On est donné ou tu casses, c'est pas 400 rials, pas connaît combien de moutons étaient là-bas là. Ou donné ça, il pour finir remettre à banna et banna pour couper ou mouton. Donc est-ce que ça pour venir une action qui vous bizarre faire ou même, il pour être fait mais pas pour où. Ou capable à l'abattoir. Nous dire bien, ou capable à l'abattoir. L'abattoir dominant. Ou payer banna de nous ou mouton, ou couper. Que tu parles pour ta ça. Ou dans Hadza, quand tu parles pour ça? Ou mettre dans le frise ou bougarder ce qui a retourné? Maïe oui non. Que fait ou mettre dans le siège pareil? Couper, obliger, coupe dominant. Portager, banan pour portager en déo. Donc, le temps nous guette sa action là. Quand nous veut dire action là, c'est le rite. Dans Hadj, il est plus facile pour vous. Il n'est pas comme nous dire le ou la tête pour ou même à le rôder un mouton, à l'aster, à le négocier prix, rôder un couteau, couper. Pas pour notre salaire, ou pour l'autre là. Ou finir une nouvelle avec l'organisateur, qu'il est pour faire au Kurbani, Aram c'est au Conti ou Hadj. Donc ça c'est concernant Kurbani. Bon, sorry, mon père dit Kurbani, c'est Hadi. C'est Hadi qui font partie là-dedans. Nous guettons lui. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِّ. C'est lui qui une sentie en sécurité et il fait faire tamattu veut dire il fait umra et c'est ce qu'a hajj fama staysara min al hadi qui il fait ce hadi de là qui sa action là il vient en parmi ban rite pour en qui ken qui fait hajj tamattu il font partie de ce hajj pour les 10. Quelle différence entre quoi? Différence entre Al-Hadi et Kurbani. De cause, capable de dire Kurbani. D'ailleurs, il fait passer une minute là. L'action, lui pareil. Dans un sens, tous les deux appellent Kurbani parce que Kurbani veut dire sacrifice. Mais seulement quand nous causons dans TMDIN, nous vous apprécions l'eau là. Parce qu'il y a une différence entre eux. Al-Hadi, c'est rite de Hadj. Veux dire, ça, c'est un Hadji qui est capable de faire ça. Parce qu'il y forme partie dans ce Hadj, ça le 10. Pas capable, moi, mon Maurice, le 10 là-bas, là, non, ouais, ben, on avait fait mon Hadji là-bas. Hein, comment tu veux faire toi? Non, mon payé. Tu es capable de payer. L'action là pour compte comme un sacrifice en tant que sort d'accord. Mais seulement, tu n'es pas pour capable d'appeler. Tu n'es pas capable d'appeler Hadi. Parce qu'il fait. Parce qu'il Hadi, il faudrait un dimoun de ce rite de Hadj qui vient faire tamatur. Lili pekoup ces animaux là. Quant à Kurbani, Odhaya, ça rite tout le monde musulman. Ou donc, un Hadi, il fait Hadi. Et il n'apprend pas Kurbani ici, s'il y en a le moyen. Dans Hadj, je donne mon organisateur casse. Ensuite, Maurice, avant mon sortie, mon habitier prend la case, je donne banane pour prendre pas pour moi.
Mal bon du monde, moi quand je téléphonais, God me la vienne, hein? Pour moi aussi, je ne pas oublier moins pas. Il permet, mais seulement pour un quelqu'un qui fait Kurbani, il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de faire Hadi. Parce que Hadi, c'est une personne qui donne le rite de Hadj. Un Hadi capable de faire les deux, un quelqu'un qui pas Hadj, il n'est pas capable de faire, faire les deux. Là, nous, l'intention, ça, vient comme une différence. Et surtout, quand nous venons dire, ça, ils font partie d'un rite de Hajj. Et ça, ils appliquent le ban musulman qui pas dans, qui n'ont pas de Hajj. Donc, un dit, il est capable de faire 10 hadiths sans qu'il ait besoin de faire Kurbani. Attention, quelqu'un va dire, non, abbé, ou dans Hajj, ça, c'est hadith, ça, pas Kurbani. Ou vous apprenez pas à pas. Il n'y a aucune preuve qui dit ça. La cause d'une fait un hadith dans Hajj, il est obligé de prendre un port Kurbani. Qui amène ça, obligation. Oh, donc, nous continuons, chers frères, quand ça nous fait lire, Hadi nous fait lire dans Mina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pareil, comme nous venons citer dans le début, nous venons faire Nakhl ici, mais Mina entier, c'est une place pour faire Nakhl Kurbani. Chaque l'impasse entre ces deux montagnes qui amène vers Makkah, c'est une place pour faire Nakhl. Veut dire, entre Makkah, comme nous venons dire, il trouve dans une vallée et dans la montagne des côtés, chaque l'endroit qui est dans Mina, où il fait Kurbani. Donc, de côté l'hygiène, on a fait un abattoir là-bas. De côté l'hygiène, on a fait un abattoir. Mais sinon, Mina entier, lui permet de vous faire Kurbani. Et comment vous venez dire, chers frères, ça n'est pas pour trop une trop belle responsabilité là-haut, parce qu'il est pour venir facile. Et pour nous, la dernière chose qu'il nous apprend, c'est quoi? C'est rase la tête. Pas dernier, avant-dernier. Pour nous, la dernière. C'est rase la tête. Qui veut dire pas rase la tête? Rase la tête. C'est là qu'il y a un hadith. On dirait, comment nous dire, ce symbole là, quand il rase sur la tête d'un Hajj, pas quand il rase sur la tête d'un Maurice, etc. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu viens Mina, et il vient côté Al-Jamaratul Raqaba, il vient envoyer sur cette tiroche, ensuite il vient côté sur place qui peut rester Mina, il vient égaux aux animaux. Vous connaissez à l'époque là, tu peux passer le conseil du monde. Ensuite il vient dire à celui qui rase cheveux, rasé. Il vient faire signe avec lui, prends côté droite, à côté gauche. On va dire, pour côté droit sur la tête, à côté, ils ont dit comme ça, rasé. Rasé. On va dire, juste pour rappeler, comment se rase côté droit avant, tu as la direction, tu as la direction gauche. Ça concerne, on rase la tête. Mazinaste, pour l'eau d'Allah, quand nous t'y fais Umrah, semaine passée. Nous t'y dis, quand au banjou libre, où il se peut un quoi faire. Parce que ça joue-là, quoi faire, travaille plus bien qu'ils mangent en l'ouda, la veille. La veut dire 2 minutes et net temps avant iftar. Ça compte, c'est du monde qui ont habitué de trouver que le monsieur Aloudala, là, ou vous trouvez 10 fois, 20 fois, 50 fois plus que coiffeur. Parce que tout Michel pour vous rasoter la tête. Donc, on rôde un coiffeur prêt avec l'hôtel. Quand même, comme on dit, il prend 15, 20, 30 et net temps. Et banal vite ça. Banal vite. Vous trouvez 7, 8, 10 mounes, c'est coup de rase la tête. Donc, en 30 minutes, 45 minutes maximum. Ou finir rasou la tête, ça au troisième rite. Premier, c'était quoi? Jamarat. Deuxième, Kurbani. Troisième, c'est rase la tête. Ce qu'allait pour l'aller facile, oui, nous. Nous résiste quatrième. Quatrième, là, c'est quoi? Quatrième, là, chers frères. Quatrième, là, chers sœurs. C'est Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada. Quelqu'un vient à nous. N'importe qui est qui voit là-bas, ça. 10 le matin, quand on a coupé le namaz bakri. Quand le namaz bakri finit de d'aller, ma cavine comme ça, c'est-à-dire. Parce qu'il y a un pilier dans le Hajj. Obligé de faire. Comment dire, takbir qui vous fait dans le namaz là. Un pilier ça. Parmi les piliers de Hajj, c'est Tawaf al-Ifada. C'est pour ça, pour l'eau d'Allah, nous t'explique combien l'état est dans Makkah. Quand on trouve la foule comme ça, on rentre là-dedans là. Allez, bismillah, nous allez. On rentre là-dedans là? Non, bismillah, nous allons au premier étage. Bismillah, nous allons là-haut. Pas fait, non, quand même, quand nous prenons un petit plus les temps, mais seulement, non, nous ne rentrons pas là, nous ne rentrons pas là-dedans. Donc, qui avec nous comme quatrième chef presseur, c'est Tawaf al-Ifada, et toujours, quand nous pécons Tawaf, nous causons en même temps sur sa femme à roi. Donc, mon envie qu'on Tawaf et sa femme à roi les 10, on est retourné dans l'Umrah. Pareil, comment on fait là-bas, on fait pareil ici.
excepté les possibles pas pour un ihram le ou si on finit faire des rites ou bien pour un ihram le ou si un ihram le ou pas nécessaire ou met des épaules droites des hauts parce que ça y applique existe le premier tawaf mais ti galo l'autre tawaf le safama roi la lumière vert ça y applique pareil c'est quatrième action qui est avec nous de nous had chers frères et sœurs les 10 Zul Hijjah, c'est tawaf, tawaful ifada. Donc nous prenons les. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas t'y faire ramle pendant cette tour qu'il t'y fait, après retourner depuis Mina. Veut dire ça pour montrer nous qu'il finit faire ce tawaf, ensuite l'in retourne l'eau Mina. L'in retourne l'eau Mina. Donne-nous une action de Hajj. Pour les 10, dit comme suite. Nous n'avons pas de jamarot. Nous avons la tête, Kurbani, Tawaf. Nous remettons des autres en cours. Qui fait? Connais, premier coup, nous disons un load. Ou faites-nous apprendre pour un load. Ensuite, ça découche un coup, nous sommes en zi. À la symphalation, vous êtes en zi. Vous connaissez, on brille, nous, qu'on nous fera. Oui, on brille, je. Pour exprès faire un brillon là, qui fait? Parce que ça joue là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fini de questionner concernant faire quitte rite en premier ou en dernier, excepté les fins dire, faire comme appli facile pour eux, pas de problème là-dedans. D'accord ça? Veut dire où on vit apprendre, où on vit raser la tête avant, où on vit faire kurbani avant, où on vit faire tawaf safa marwa avant, où on vit faire jamarat avant, faire les l'autre qui oule, pas de problème là-dedans. Quand on apprend, nous apprend tous les quatre séparément. Mais quand on fait, pas nécessaire, ou fait, dit comment je tout peux faire. Donc, ou bien qu'on dise, ou quatre rites de Hajj, c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, question qu'il finit de gagner, il finit de dire, peine, problème, chers frères et sœurs, nous prenons dit. Azan Maghrib, pédonné, Mouda Arafat, devant moi qui joue, sorry, qui la nuit. Mouzdalifa. Mouzé mal Mouzdalifa. Soit Maosé, soit Dobis. Arrivant Mouzdalifa, un azan, un ikoma, Maghrib. Maman vous dit à moi, al plus vite qui moi zut. Deuxième ikoma, et Isha. Oui, ou capable de faire 8 heures avec des rakats avant Fajr. Ça pas raté coûte que coûte. Ensuite, moi, Doumi. Si un vieux djimoun, un djimoun malade, et madame, et enfants, il y a allé qu'il est au milieu de la nuit. Moi, je continue à rester. Bon, pas laisse-moi, madame, allez-toi, moi, vous restez. Mais, tu vous accompagnes, là. Ça qui nous restait, il dormit, il levait Fajr. Après Fajr, il fait dehors, jusqu'à commencer à faire clair. Le temps, il levait le matin, 10e Zul Hijja. Veut dire, c'est Bakrid. Bakrid pour Banna. Moi, je suis Hajj. Moi, j'ai 4 actions pour faire. Moi, j'ai pour faire tawaf ou l'ifada. Rappelle tawaf comment faire. Oui, comment je fais de l'umra. Moi, j'ai pour dire zamzam. Moi, j'ai pour dire rakat makom Ibrahim. Moi, j'ai pour safa marwa. Moi, j'ai pour bandoua entre mon tahlil. Pareil, comment je fais là-bas. Moi, j'ai pour raser la tête. Oui, moi, j'ai fini de faire après côté l'hôtel. Je vais dire, moi, pour aller là-bas, même si j'ai pour dire pour attendre, moi, pour dire pour attendre. Moi, j'ai pour faire kurbani. Mais ça, au grand Zaten, fini de moi, 10h, 11h, midi, bana pour finir faire. Moi, je pour battre Jamarod. Ah oui, veut dire c'est une seule action, il trouve dans Mina, soit comme vous pouvez aller, vous faire soit comme vous sautez ma carte, vous revenez, vous faire aller. Moi, j'apprends concernant le soleil, qu'il est commencé, après soleil, levé. Comme il rose, c'est rose. Laquelle qui nous faisait battre, un entre ces trois-là. Laquelle qui nous faisait battre précisément, c'est ça qui plie grand là. Comment on connaît les plis grands? Les tout plis près avec Mac? Avec Macca. Je finis de battre dans quelle position je débute? Je mets Macca dans mon gauche, je mets Mina dans mon droit, je battre cette côte rouge. Ce qui est arrivé, je vais réussir à battre bonheur. Je vais jusqu'à l'endemain, Fajr, pour me battre, Donc, chers frères et sœurs, c'est ça qui est avec nous pour aujourd'hui. Une personne, une sorte de Mouzdalifa? Nous prenons, disons, une drôle facilité ou bien n'importe quoi. L'inal Makka,
Arrête là. Si il y a le Makka, qui nous a fait Makka? Il nous a fait Tawaf. Il nous a fait sur sa femme en roi. Ensuite, il nous a sur la tête. Dès qu'il est allé là, oui, non. Si il est venu faire ça, dès là. Elle nous a fait sourire. Nous prenons les. Vessi, l'infinira ça là. Quand il est cavalé là, quand il était là, quand il est cavalé. Il y a de l'hôtel. Il y a de la somme. Il y a quoi de valise. Il tient l'ins propre. Il est baigné, il tient sur le hram. Il met sur l'ins. Parce qu'il finit faire des oui non. Il finit les yeux là. Parce qu'il a accès sur l'hôtel, il est de Makka. Il est descendu. Misfala. Il y a de l'hôtel. Il pour laisser rentrer. 10 jours, on passe devant Bangladesh, on allait venir, allait venir. Les bandes finissent trop chauffer, du monde là. Ça compte, c'est coup de cube, allait venir là. Ils finiraient mon coup. Même si la clé n'est pas avec vous, les deux nous, nous, on est ouvert, on prend linge ou baigner, on est sans, sans ou linge. Ensuite, on finit faire des dans ma cam, on sent mon linge. Soit moi aussi, soit moi, on est transport. Moi, moi, le mina. Mina qui m'a pour faire là-bas. On n'a pas de marotte. Ensuite, maintenant qu'il fait pour moi, Mina là-bas, je ne fais mot, Mokoulbani, ça qui tient avec nous, Poiseau, dit chef frère, sœur, et Inch'Allah, j'ai dit, nous venons avec les 11, les 12 et les 13 Zulhidja concernant l'action de Bad Jamarot. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.